Pour l'heure, on ne connaît du nouveau film de Guillaume Canet que l'affiche, dévoilée par le comédien sur son compte Instagram ce 29 août. Je suis très heureux de vous présenter enfin l'affiche et le synopsis de mon film Lui qui sort le 27 octobre. Un film que j'ai écrit pendant le confinement et que j'ai tourné juste avant de redémarrer la prépa d'Astérix. C'est un film très particulier, très important pour moi. J'ai hâte de venir vous le présenter partout en France. Je vous présenterai la bande-annonce le jeudi 9 septembre. Le 2 septembre prochain. La bande-annonce sera enfin visible, révélée en légende de sa publication Le Compagnon de Marion Cotillard. Le synopsis, quant à lui, noir à souhait, a fait saliver de nombreux fans du réalisateur et comédien, un compositeur en mal d'inspiration. Qui vient de quitter femme et enfant, pense trouver refuge dans une vieille maison à flanc de falaise. Sur une île bretonne déserte. Dans ce lieu étrange et isolé, il ne va trouver qu'un piano désaccordé et des visiteurs bien décidés à ne pas le laisser en paix. Guillaumet. Mais dans la communauté cinéphile, la publication n'a pas fait que des heureux et sur Twitter, de nombreux internautes se sont laissés aller à se moquer de celui qui a rédigé le scénario. Joue, film, et dont le visage apparaît en double sur l'affiche tel celui du Diogenes. Point. Un film de Guillaume Canet avec Guillaume Canet, écrit par Guillaume Canet pour Guillaume Canet avec Guillaume Canet sur l'affiche. KRKRKRKR à Mégalomanie dans le Dico, on trouve une photo de Guillaume Canet. Son nombril aussi tient un rôle important dans ce nouveau film de lui, on dirait une blague gorafie. Nan, mais Guillaume Canet deux fois sur l'affiche. Virgule, peut-être qu'il n'y aura que Guillaume Canet pour aller le voir. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Virgule, avec également comme second rôle Guillaume Canet. Il a de la chance que les pronoms personnels existent, sinon il était condamné à donner comme titre Guillaume Canet. Je suis dégoûté. Il n'a même pas fait la musique quand il était nombreux à ironiser. Malgré les quelques moqueries, le réalisateur des Petits Mouchoirs pourrait bien séduire en salle, car pour l'accompagner dans ce film, Guillaume Canet a enrôlé Nathalie Baye, Virginie Efira, Patrick Chesney, Mathieu Kassovitz. Laetitia Casta et Guillaume Canet donc. On a déjà vu pire.